Manchester City qui accueille l'AS Monaco pour ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions. C'est à vivre en exclusivité sur Beansport. Croisons les doigts pour vivre une soirée aussi riche, aussi merveilleuse qu'il y a une semaine au Parc des Princes, où on a vécu un grand moment. Les compositions d'équipe, Daniel, voilà le 11 aligné par Pep Guardiola, qui depuis le début de saison a des soucis dans le secteur défensif. Oui, il y a des absences, bien sûr, Compagnie, Kolarov certainement qui n'est pas sur la feuille de match, Gundogan le milieu de terrain, donc Caballero sera le gardien, c'est lui qui est titulaire maintenant. Claudio Bravo a perdu sa place. On va voir les défenseurs, est-ce que Sagna va se positionner à gauche et Fernandinho à droite, c'est pas sûr. Otamendi, Stones dans l'axe, et voilà, le reste c'est du classique, ce 4-3-3 avec Touré en sentinelle et une animation offensive très intéressante avec les milieux de terrain David Silva, pardon, Kevin De Bruyne, et puis Agüero qui a retrouvé sa place devant puisque Gabriel Jesus est blessé, la recrue hivernale. Sur les côtés on retrouvera des joueurs très rapides qu'il faudra surveiller, très bon un contre un. Leroy Sané, l'Allemand, sur le côté gauche, et Sterling côté droit. Les arbitres sont espagnols. Au centre, c'est Mateu Laoz, arbitre très expérimenté. Les capitaines David Silva et Falcao. Et voilà le 11 aligné par Leonardo Jardim, avec devant le choix fort de titulariser Kylian Mbappé à la place de Valère Germain. Voilà, Jemerson est suspendu. C'est Raji, André Raji qui va le remplacer aux côtés de Glick. Pour le reste, c'est du grand classique, sauf, vous l'avez dit, Kylian Mbappé. C'est la surprise de Leonardo Jardim qui veut mettre de la vitesse. Alors, je ne pense pas que ce soit comme indiqué là. Lemar jouera comme d'habitude, couloir gauche. Et Mbappé aux côtés de Falcao. On va essayer de mettre de la vitesse pour jouer les contres très vite, prendre l'espace. La grande force du jeune Kylian Mbappé. Ce sont les Monégasques qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Alors Sagna joue bien à droite. Et Fernandinho à gauche. Oui. Le 11 qui nous a été transmis par l'UEFA. Oui, s'ils avaient inversé, ça faisait deux joueurs qui ne jouaient pas à leur poste. Là, il n'y en a qu'un, puisque Fernandinho est plutôt un milieu de terrain. Utilisez-les aujourd'hui comme latéral gauche. Parce que Clichy a mal au dos. C'est un peu plus logique comme ça. Coup d'envoi de ce huitième de finale. Allez, l'AS Monaco qui vient de démarrer ce match. Monaco en déplacement ici à Manchester pour y affronter City. Et un premier coup de sifflet de Mateu Laoz, l'Espagnol, qui accorde un coup franc au Monégasque. Un coup franc joué rapidement. D'emblée, les Monégasques qui veulent imposer leur rythme. Oui, Fernandinho, on l'a vu, qui a fait faute, qui suit de très près Bernardo Silva. On l'a vu en avant-match, hein, Pep Guardiola craint énormément les couloirs, les latéraux monégasques, mais aussi Bernardo Silva, Lemar. Otamendi. Il va être important pour les attaquants monégasques de bien surveiller Yaya Touré. En général, il est important pour le jeu des Citizens. Caballero. Voilà, les Citizens qui observent pour l'instant le placement de l'AS Monaco pour tenter de relancer ce ballon au pied. Il risque de subir le pressing monégasque. Ouais. Comme certains l'ont subi déjà cette saison. Voilà, c'est fait. Récupération très haute. Et un ballon qui file jusqu'à Fabinho. Fabinho taclé par Otamendi. Premier corner du match en faveur de l'AS Monaco. Les Citizens qui jouent un peu à la baballe, qui essayent d'aspirer les Monégasques, mais ça permet aux Monégasques de récupérer ce ballon, d'être dangereux. Oui, c'est joué sortant avec Sidi Bé, le centre. Oh, ils étaient nombreux, ils étaient 5 là dans la surface de réparation côté monégasque à pouvoir reprendre ce ballon. Alors on s'attendait à un pressing des Anglais, il n'en est rien, c'est Monaco qui s'installe dans le camp de City.
La rentrée de touche est jouée pour Benjamin Mendy. Devant lui, Bakayoko. Mendy pressé justement par Sterling et ça permet à Kevin De Bruyne d'accélérer assez fort sur son côté d'ailleurs. Gros retour de Benjamin Mendy. Le ballon dans l'axe, c'est un bon ballon pour Yaya Touré qui peut lancer. Sterling hors-jeu. Hors-jeu Sterling, mais premier contre des Citizens, c'est première alerte quand même pour la défense monégasque. Et on a vu que le relais de De Bruyne était avec Yaya Touré tout seul. Ça, il va falloir essayer de le gérer. Alors peut-être que c'est Lemar qui n'a pas anticipé ou un attaquant. Il va falloir vraiment le surveiller parce qu'il est capable de jouer en une touche. Il a une très bonne lecture du jeu. Et on a vu que ça s'est transformé en action dangereuse, même si Sterling était hors jeu. David Silva avec De Bruyne. Touré peut écarter sur Bakary Sagna. Derrière avec Stones. Cavallero. Stones. Sagna. Toujours la volonté de repartir. Ballon au pied. Dans un jeu de passe. Oui, le pressing. Ça peut comporter des risques. Bon, voilà. Hein, voilà, parce que Cavallero. Oui, pour l'instant, ils veulent relancer en jouant, quand même Pep Guardiola, mais il semblerait qu'il n'ait pas le talent pour le faire. Fernandinho. Fernandinho, c'est assez incroyable. En cup, il a joué le dernier match derrière l'attaquant. Là, il joue latéral gauche. Il est un peu trimballé à tous les postes. Yaya Touré qui allonge un petit peu sur Sterling, venu proposer dans le milieu de terrain. Bon ballon là de Fernandinho qui a pu écarter sur David Silva. Leroy Sané maintenant. Leroy Sané face à Sidy Bé. Bernardo Silva est venu défendre aussi sur David Silva. Ballon qui ressort jusqu'à Fernandinho. Ah, c'est un fort centre trop fuyant pour le Kun Agüero. On vantait la qualité dans les couloirs des Monégasques. C'est le cas aussi pour les Citizens avec Silva et Sané qui s'entendent très bien, tous les deux gauchers. Qu'il va falloir, comme là, Bernardo Silva, surveiller de très près, revenir pour aider le latéral. Et à Touré. Camille Glick qui intervient pour dégager ce ballon à la tombée Stones. Glick qui est resté à droite. Hein, Christophe Raggi est rentré à gauche comme est positionné Jemerson. Alors c'est pas facile pour l'Italien parce que c'est pas son poste, il est droitier, mais il va s'adapter. Bernardo Silva qui va aller provoquer Fernandinho. Il reçoit l'aide de Sidy Bé, le centre de Sidy Bé contré. Et un corner encore pour l'AS Monaco, le deuxième déjà dans ce début de match. Oui, encore côté droit, Sidy Bé très haut, qui est contré. Mais l'attitude des Monégasques est très bonne dans ce début de match. Oui, ce sont les supporters monégasques que l'on entend, les 1100 supporters monégasques qui ont fait le déplacement. Le stade est calme. Hein. Oui, souvent ici. Lemar qui a fait l'effort pour éviter la sortie de cette balle. Thomas Lemar qui peut combiner avec à ses côtés Kylian Mbappé. Ouais, Mbappé il a été pris par deux. Bernardo Silva qui interrompt très vite la course de Leroy Sané. La frappe de Lemar, c'est à côté du cadre. Bien joué, frappe difficile, il est loin, angle un peu fermé. Mais ça prouve qu'il est en confiance. Il faut prendre des risques. Ballon retrait de Bernardo Silva, il prend sa chance mais il est attaqué, donc ça lui fait précipiter un peu sa frappe. Fernandinho. Un ballon perdu encore, intercepté d'abord par Fabinho, ensuite par Bakayoko. Exactement, Fabinho est allé le gêner et il a perdu ce ballon. Attention, Kun Agüero. Du soutien avec Yaya Touré. Écarte le jeu, le renverse de l'autre côté vers Bakary Sagna. Sterling, Sagna.
Stones. Otamendi. Stones. Bon ballon ça. Yaya Touré qui va pouvoir progresser avec ses côtés. David Silva qui peut lancer Leroy Sané. Ah, il a manqué son centre, l'Allemand. C'est parti derrière le but de Subasic. Mais attention quand même. Hein. Oui, ça part d'une très bonne passe verticale. Hein. Plein axe, Agüero qui décroche. Oui, qui voilà, ça crée le décalage. Yaya Touré qui joue assez vite sur le côté. Il y a un 2 contre 1. Heureusement pour Monaco, Leroy Sané rate son centre. On voit que ça peut jouer très vite en attaque rapide aussi pour les Anglais. L'échange encore, ça va jusqu'à Leroy Sané. Attention, Camille Glick. Castopéo, il va prendre carton. Oui. Il prend carton tout de suite, Camille Glick, dans ce match. Ah, c'est pas une bonne nouvelle déjà pour ce match parce qu'il est averti très tôt. Et pour le match retour aussi parce qu'il était sous la menace, Camille Glick. Et il sera suspendu au match retour. Ouais, c'est un peu sévère, je trouve. Certes, il y a faute. Il s'en veut. Mais côté gauche, ils sont en difficulté. Côté droit pour les Monégasques. Il faut que Bernardo Silva vienne aider Sidi B un peu plus. David Silva qui frappe ce coup franc. Stones qui peut transmettre derrière à Sterling. De Bruyne, long ballon vers David Silva là, qui s'est bien démarqué encore, qui a tenté de glisser à Kun Agüero, c'est pas passé. Et De Bruyne encore qui revient à la charge, peut écarter sur Leroy Sané, le centre repoussé par Camille Glick puis par Fabinho. Ça revient encore très vite, attention le contre peut-être côté monégasque, et là ça va aller vite avec Kylian Mbappé. Donc il joue sur un contre 1. Oui, il va aller le jouer, le 1 contre 1, Kylian Mbappé va pouvoir frapper peut-être. Il a été contré finalement, in extremis. Oui, il a eu le contre favorable, mais Fernandinho est venu récupérer. Il est rentré à l'intérieur, c'était très bien défendu parce que les deux actions étaient prises. C'est bien Kylian Mbappé qui va au bout de son action. C'est là où on attend que ses qualités parlent. Oui, parce que ça, les Vital Morbonnet qui est en notre compagnie, pas loin des bancs de touche, pour vivre cette rencontre. C'est bien parce que aussi ça va pousser à les citizens à plus de prudence, ce contre-là. Parce qu'on les sentait, les Monégasques, en difficulté, surtout sur le côté gauche où David Silva se positionne bien. Récupéré par Kylian Mbappé encore. On peut écarter avec Sidi B. Bernardo Silva. Sidi B redonne à Bernardo Silva qui va pouvoir dresser un centre peut-être. Il a réussi à nouveau dribble. Parvient à centrer. Ça a été pris par les défenseurs et c'est Lemar qui fait l'effort pour récupérer le ballon. Sidi B pour la frappe. C'est dans le buffet de Fernandinho qui reste KO. Le souffle coupé. Ouais, mais c'est bien hein, lorsque les Monégasques. Ils sont à l'attaque, ils sont nombreux et ils frappent. Ils ont toujours l'intention de finir les actions. On revoit Bernardo Silva en débordement, son centre est intercepté. Et Lemar qui est là aussi, qui donne en retrait, c'est bien fait. La prise de risque dans la frappe, deux par deux fois. Voilà, ils sont bien concentrés les Monégasques. Bien défendu, hein. Fernandinho, il s'est pas retourné les bras dans le dos pour pas commettre de faute irréparable. Il était courageux. La frappe de Fabinho, ça démontre aussi que les milieux suivent bien les attaques. David Silva pose un problème. Hein, ouais, David pour Silva. L'instant, il fait très mal. Oui.
Il se positionne entre les lignes, entre les milieux et la défense. Fernandinho qui a pu lancer Raheem Sterling. Son centre a été repoussé. Leroy Sané. Fernandinho redonne à Sané. Fernandinho encore. Ça combine bien là-bas sur le côté gauche une nouvelle fois. Sterling avec David Silva. Penax en jeu. En jeu Sterling. Heureusement, hein, ça, ça semble facile là pour les Anglais. Attention. Ouais, le constat c'est que on note à peu près les mêmes caractéristiques chez les deux formations. Ouais. Elles sont meilleures lorsqu'elles attaquent, les deux. Ouais. Mais pour l'instant, quand même, ce sont les Anglais qui se montrent les plus dangereux dans les 30 derniers mètres. Alors pas deux fois hors jeu, mais la circulation de balle est bonne et ça passe constamment par le côté gauche. Raji qui allonge, prend pas de risque. Falcao va aller disputer ce ballon à Stones. C'est récupéré par Lemar. Très bien là de la part de Falcao de faire l'effort. Ça permet de récupérer le ballon. Raji avec Fabinho. Raji derrière sur Subasic. De Bruyne. Oh, bon ballon de Bruyne. Ouais, bon retour de Sidi Bé là sur la trajectoire de passe pour intercepter ce ballon. Ça passe pour Bernardo Silva. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Oh, Bernardo Silva, festival. Ballon plein axe pour Falcao. À la lutte, Falcao avec Bakary Sagna. Énorme retour d'Otamendi qui est venu dans les pieds de Falcao pour interrompre l'action monégasque. Ah, c'était vraiment une très belle action. Bernardo Silva hein, qui fait une action individuelle de grande classe pour donner ce ballon dans le dos de la défense. Falcao qui est repris en vitesse, gêné d'abord par Sagna qui vient un peu se sacrifier là, parce qu'il ne touche pas le ballon. C'est Otamendi qui intervient. De Bruyne. Oui, qui peut lancer Raheem Sterling, il va plus vite que Raji Sterling. Et attention à Conaguero qui récupère le ballon, qui va pouvoir frapper. C'est sur la tête de Raji qui met ce ballon en touche. Oui, ça va vite. Hein. Ah, ça va vite des deux côtés offensivement. Hein. Oui, exactement. Sterling là, bien contré par Subasic qui est sorti très vite dans ses pieds, mais il a relâché son ballon. Et Agüero, on l'a vu, hein, toujours le renard là, qui vient surveiller tout ce qui se passe. S'il y a un ballon relâché, il sera là. Attention, Sterling dans le dos encore. Ouais. Sterling qui peut centrer. Ballon cueilli là, dans les airs par Daniel Subasic. C'est Lemar qui a défendu sur Sterling. Attention, là, c'était plutôt à Benjamin Mendy. Qui a beaucoup de difficultés pour relancer vers l'avant. Un quart d'heure de jeu ici à Manchester et toujours 0-0 entre Manchester City et Monaco. Mais faute ou main. Faute. Bernardo Silva qui intelligemment joue avec son corps hein, lorsqu'il a de l'avance. Se positionne entre l'adversaire et le ballon. Sagna derrière sur Stones. Otamendi. Fernandinho obligé de revenir derrière sur Otamendi. Cavaliero. John Stones. Pris des risques là devant Falcao Stones et il est repassé derrière par son gardien Willy Cavaliero. Stones qui allonge cette fois vers
Agüero battu dans les airs par Raji. On a bien joué Raji, sauf qu'il faut essayer de trouver un partenaire sur cette tête. David Silva avec De Bruyne. Stones qui écarte sur Bakary Sagna. Sterling, Sagna. Otamendi. Je trouve que Fabinho et Bakayoko sont assez loin l'un de l'autre. Ça les met en difficulté pour défendre. Oh, bien joué. Oh, bien joué Kylian Mbappé, là, le contrôle devant Otamendi et un contrôle qui lui a permis d'éliminer le défenseur argentin. Dribble maintenant et il ouvre sur Benjamin Mendy, arrivé, lancé, Benjamin Mendy qui peut frapper, c'est repoussé par Caballero. Falcao avec Mendy, il y a quoi, il y a en jeu. En jeu de Falcao, ah, quelle bonne action. Ah oui. On a senti au départ très bon contrôle orienté. Et là, on sentait qu'il pouvait peut-être aller au bout. Il a ralenti Kylian Mbappé pour renverser le jeu. C'était remarquablement fait. Benjamin Mendy, après un contrôle, frappe. Ouais, Falcao est hors-jeu, mais de position. Il ne gênait pas le gardien. Alors certes, ensuite, après le ballon relâché, de Caballero, il a récupéré le ballon, donc il a profité de sa position. Exactement. Falcao avec Mendy. Falcao, voilà un petit peu d'espace pour se retourner, s'appuyer sur Mbappé. Ça accélère à droite là-bas. Il y a d'abord Bernardo Silva, Sidibé maintenant, qui va pouvoir adresser ce centre encore contré. Et troisième corner monégasque de ce début de rencontre. C'est super ce qu'a fait Mbappé. Chaque fois, il accélère. Il pose des difficultés aux Citizens dans la profondeur. Il faut qu'il aille au bout des actions parce que. Oui, là, Otamendi, il n'a pas dû. Ouais, quand même, là. Il peut faire de grosses différences grâce à sa vitesse de course. Le corner, bien frappé. Bien frappé ce corner sur la tête de Camille Glick. Il a été surpris. Il a été surpris parce que ce ballon était touché juste devant lui. Il a mis sa tête quand même, le Polonais s'est passé juste à côté du cadre. Oui, on revoit très bien tiré ce ballon mal dégagé par Yaya Touré qui surprend Glick, Camille Glick qui a un réflexe, mais quelle occasion parce qu'il aurait pu aller au fond ce ballon. Ah ouais, quelle occasion là d'ouvrir le score pour l'AS Monaco. Erreur quand même technique là de Yaya Touré. Et là aussi, mais là cette fois c'est Sidibé qui a mis ce ballon de la tête dans l'axe et directement dans les pieds d'Agüero. Ça peut créer le danger avec Raheem Sterling qui peut centrer. Agüero finalement stoppé par Andrea Raggi qui concède un corner et ça offre à City son premier corner dans cette première période. Ah, on va d'un but à l'autre. Hein. Ouais, ça va très vite d'un but à l'autre. Attention, encore une fois, un ballon donné qui aurait pu être évité par Sidibé. Oui, donné à l'adversaire et avec des joueurs qui vont aussi vite. Vous dites attention et double mise en garde parce que là, c'est corner, c'est coup de pied arrêté et c'est dangereux. Défensivement, sur les coups de pied arrêtés, Monaco est pas très très serein, c'est son gros c'est point bien. Faible. Oh. Leroy Sané, le centre intercepté par Sidibé qui ressort ce ballon sur Thomas Lemar. Ils étaient bien positionnés, les Monégasques, sur ce centre. Leroy Sané qui passe quand même assez facilement, balle au pied. Sagna avec Yaya Touré. Sagna. John Stones. Otamendi. Stones. Sagna. De Bruyne. Oh, bien joué. Oui. De Bruyne qui s'est fait prendre dans la vivacité par Benjamin Mendy. Et dommage. Derrière, il a mal assuré sa passe. Il y a eu une super anticipation de Nicolas Otamendi. Fausse de Sidibé là sur David Silva. Ouais, David Silva et Sterling posent vraiment des problèmes aux Monégasques parce qu'ils sont à l'intérieur. Et ce sont Bakayoko et Fabinho qui essayent de les marquer. Donc ça,
ça libère l'espace plein axe. Stones avec Otamendi. Quand ils sont en possession du ballon, Fernandinho vient se placer dans le milieu de terrain. Il n'est plus latéral gauche. Hein. Ouais. Il est latéral gauche pour défendre. Ouais, après, il vient aux côtés d'Yaya Touré. C'est Sylvain hein, qui va souvent, qui rôde entre le... la touche et l'axe. Et voilà, Fernandinho, il est dans le cœur du jeu. En possession de balle. Et là, maintenant, il va aller se positionner en défenseur latéral. Il y a surtout beaucoup de mouvements. Bien joué Benjamin Mendy, il tente de lancer Thomas Lemar aux prises avec Bakary Sagna, mais il va vite aussi. Ouais. Bakary Sagna. Sagna qui avait surtout anticipé la profondeur, c'est bien défendu. Stones avec Otamendi. Yaya Touré, serré par Falcao. David Silva qui aère le jeu, éclaire le jeu comme depuis le début du match avec John Stones. Sagna, Stones encore. David Silva ne perd jamais le ballon. Il a des changements de direction rapides, une grande vision du jeu. Otamendi, Leroy Sané, Fernandinho qui allonge vers Raheem Sterling. Super ballon, super diagonale de Fernandinho. Sterling qui peut combiner avec De Bruyne. Le centre vers Agüero. La défense monégasque était battue. Et la défense monégasque s'en sort bien. David Silva, Fernandinho, il n'y a pas de hors-jeu. L'enchaînement de Raheem Sterling, il est contré cette fois par Kamil Glik. Ça chauffe devant le but de Daniel Subasic. David Silva avec Fernandinho encore. Fernandinho là, qui fait un début de match exceptionnel. Et on comprend tactiquement, pourquoi, voilà. Physiquement, dans tout. On revoit l'action hein, où Agüero là clairement manque son geste technique. Plat du pied gauche, il est le premier, il a devancé Glik. Légèrement peut-être en retard, mais il me semble qu'il n'est pas très sûr de son geste. Et Fernandinho, je disais, on comprend pourquoi Pep Guardiola le fait jouer derrière, parce qu'il aime les latéraux comme ça qui sont capables de se transformer en milieu de terrain, voire en attaquant. Et Fernandinho est plutôt au milieu, donc ça se voit. David Silva avec Fernandinho. Oui, Fabinho, sorti très autoritaire pour la récupération du ballon, et ça permet à son équipe de respirer un petit peu. Attention, Benjamin Mendy là, c'est sorti, qui était mal situé. Ouais, attention, Lemar Mendy qui habituellement s'entendent très bien, ça fait deux fois qu'il ne se trouve pas. Ouais, parce que Mendy est un peu refroidi par les offensives. Ouais, c'est sûr que on monte moins facilement lorsqu'on subit un peu les vagues de l'adversaire. Et là, sur ce début de match, les Anglais sont brillants. Ouais, il y a un vrai bras de fer à gagner là. Ouais, c'est donc psychologique. Je trouve qu'au milieu, les Monégasques ne sont pas précis dans leur déplacement. Ils ne savent pas trop comment prendre et De Bruyne et Silva. Ils sont obligés de dézoner et ça crée des espaces. Sidibé qui à son tour a pris carton jaune. Il se laisse, Leroy Sané, il se laisse bien tomber quand même. Mais c'est vrai qu'il est retenu par le bras. Il provoque deux jaunes quand même déjà. Deux défenseurs monégasques avertis tôt dans le match, dans la première demi-heure. Glik et Sidibé. Tout ça, ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour l'instant. Non. David Silva avec Leroy Sané. Festival hein, quand même en ce début de match. Sané encore, que l'on retrouve dans la surface, qui peut centrer, but, l'ouverture du score à Raheem Sterling. Ouais, ça va trop vite. Se précisait, ça allait trop vite. Sané est insaisissable depuis le début de rencontre et c'est Manchester City qui ouvre le score.
Oui, Sané insaisissable, il va très vite. Mais les Monégasques quand même un peu en retard. On va voir sur l'action où Sané vient à l'intérieur. Voilà, il part d'assez loin. Et voilà, ce joue de 3 Monégasques plutôt facilement. Le tacle est bon, mais Bakayoko est en retard pour venir récupérer ce tacle. C'est juste, hein, ouais. C'est limite hors-jeu, Sterling. Ouais. Ça se joue à pas grand-chose. Voilà, encore une fois, Silva qui lance son attaquant dans l'espace. Ça va très vite, le centre est excellent. C'est un cadeau pour Sterling qui était limite hors-jeu. Des Monégasques quand même un peu en retard, hein, sur cette action. Ils sont un peu spectateurs. À eux de réagir maintenant. Dans cette rencontre, ils avaient bien attaqué, ils avaient bien entamé ce match. Ils se seront procuré des situations, une occasion tout à l'heure sur corner, mais là ils ont cédé. Ouais, je trouve que ça manque un peu d'agressivité. Là, c'est pas normal que Leroy Sané élimine 3 joueurs. Alors certes, il y a eu le tacle de Sidy Bé qui est venu ralentir un peu l'action, mais il n'a pas été aidé par ses coéquipiers. Attention, ces pertes de balles là, dans des secteurs où il ne faut pas le faire, avec Unagüero qui peut lancer Raheem Sterling. Sterling, et le retour d'André Aradji pour parer au plus pressé, dégager ce ballon en touche. Ah, ils souffrent, les Monégasques. Hein. Ils souffrent de la vitesse des attaquants anglais. Sterling qui a marqué son deuxième but cette saison en Ligue des Champions. Sterling qui a raté son euro avec l'équipe d'Angleterre, mais qui fait une très bonne saison avec son club. Stones. Sanya. Derrière sur John Stones. Ils sont secoués un peu groggy, ouais. les Monégasques qui savent plus trop se situer, savent plus trop quoi faire. Et puis là, ils ne réussissent plus à tenir le ballon. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu d'échange. Ça va revenir, souhaitons-le. Ils se sont fait rarement secouer comme ça aussi. Stones vers Raheem Sterling. Bon appel dans le dos de Benjamin Mendy. Sidy Bé avec Fabinho donne de la profondeur sur Bernardo Silva qui a une solution devant lui. Kylian Mbappé. Dans l'axe, Bernardo Silva, oui, à gauche bien sûr. Benjamin Mendy qui est tout seul, il va falloir s'appliquer sur le centre. Le centre de Benjamin Mendy, ça a été intercepté par John Stones, récupéré par Bernardo Silva. Nouveau centre de Mendy. C'est Sidy Bé qui arrivait pour mettre sa tête. Oui, gêné par Fernandinho, mais bonne présence et très bon centre de Benjamin Mendy. Voilà, on voit Fernandinho qui est le premier sur ce ballon. Il faut que les Monégasques réussissent à passer comme ça par les côtés. Bon ballon vers Sidy Bé, bon contrôle. Hors jeu. Signalé en tout cas. Il semblait pourtant venir de derrière. Sur ce bon renversement. Alors on voit l'action, ce ballon donné. Silva. Là, il ne semble pas hors jeu, Sterling. On voit très bien que Benjamin Mendy est en retard. Bakayoko au départ est en retard. Et ensuite, Benjamin Mendy aussi s'est fait surprendre par l'appel de Sterling. Kayoko avec Lemar.
Bien fait, la femme de passe là sur Yaya Touré. Et celle-ci de passe, elle est bonne pour encore, Kylian Mbappé, encore hors jeu. Et oui, là, il a tout le jeu face à lui. Kylian Mbappé ne doit pas être hors jeu sur cette action. Il l'est très légèrement, me semble-t-il. Oui, oui, il l'est. Là, il avait suffisamment d'avance là pour être patient et ne pas l'être. Voilà où les, ce type d'action où les monégasques peuvent être très dangereux et revenir au score. Oh, la mauvaise relance de Caballero, ça atterrit sur Fabinho. Bernardo Silva. Fabinho, le centre de Fabinho, oui. Et pour Falcao, l'égalisation. Il est superbe ce but-là. Fabinho pour le centre et Falcao qui est là, qui rôde, qui est encore bien placé. Le capitaine monégasque remet les deux équipes à égalité. Super, super Fabinho, les monégasques excellent en passant par les côtés, excellent dans les centres. Ce centre de Fabinho est parfait et toujours Falcao bien placé qui s'est sorti du marquage de l'axe pour venir au deuxième poteau. Caballero qui perd ce ballon. Quelle mauvaise relance! Et oui, et les monégasques qui en profitent remarquablement. C'est Fabinho qui récupère, voilà, cette mauvaise relance et qui adresse le bon centre après. Exactement. Bon, mauvais positionnement bien sûr de la défense bleue, mais quel positionnement de Falcao tout seul qui pique bien son ballon, qui le place, c'est parfait. C'est parfait parce qu'ils ont réagi très vite, les monégasques. Ils ont encaissé l'ouverture du score à la 26e. Ils réagissent, ils égalisent 6 minutes après. But à l'extérieur, but extrêmement important et ça va les remettre sur de bons rails. Exactement, ça va leur donner de la confiance et ça va en enlever à leur adversaire qui était un peu trop dominateur. Troisième but cette saison de Radamel Falcao en Ligue des Champions et Monaco qui se met en bonne position ici à l'Etihad Stadium à Manchester. C'est encore Bernardo Silva qui a su décaler son partenaire sur le côté pour ce très bon centre. Non mais Daniel, il faut qu'ils attaquent. Il faut qu'ils les contraignent à défendre parce qu'ils ne défendent pas très bien quand même les joueurs de Manchester City. Ils subissaient un peu trop, mais c'est vrai que cette équipe de City fait ce qu'il faut aussi pour faire défendre Monaco. Bakayoko qui a résisté à Kunagüero et Bakayoko qui peut accélérer fort. Il a à ses côtés Thomas Lemar. Et bon retour d'Agüero. Ça va faire plaisir à Guardiola ça, de voir son attaquant défendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait moins la cote et que Jesus lui avait pris la place. C'est vraiment un attaquant de surface et on sait que Guardiola aime bien les attaquants qui travaillent, qui bougent beaucoup. Yaya Touré. Fernandinho. David Silva qui a trop de liberté. Ouais, il le laisse trop. Beaucoup trop de liberté. Attention, Agüero dans la surface. Ah, oui. Et le pénalty, il va sortir le carton jaune. L'arbitre Matteo Laos. Non, simulation. Ah, simulation. Simulation, oui. Simulation contre Agüero, ça semble sévère. Hein. On va revoir. Il est mieux placé que nous, mais à vitesse réelle, ça semble sévère. Alors le crochet est bon. Oh, ouais, il se laisse tomber quand même, hein, Christophe. Oui, hein. C'est pas mal arbitré parce qu'avant d'être touché, il se laisse tomber. Et ensuite, il percute le gardien. Ouais. Moi, je trouve que c'est bien arbitré. Ah, je trouve que c'est bien arbitré. Et Pep Guardiola qui est fair play. Mais vous aviez raison hein, sur l'action du pénalty, Christophe. Il s'en sort pas mal quand même là-dessus. Hein, David Silva. Les hein. Oui, il s'en sort bien. Mais David Silva face au attention, jeu. Attention, de l'autre côté. Kylian Mbappé, il enlève trop sa frappe. Ça passe au-dessus de la transversale. Ben ça va vraiment d'un but à l'autre. Ouais, ça prenait le chemin de la lucarne. Dommage. Encore une fois sur un dégagement. Hein, c'est incroyable. Ce ballon dévié par Falcao.
plus haut que Stones. Et voilà, on le voit, la trajectoire était bonne, mais il est un peu trop en arrière Kylian Mbappé. En tout cas, il va falloir que les Monégasques prennent de drôles de risques hein, quand même dans la relance. Là, les joueurs de Manchester City, et la faute de Yaya Touré sur Bakayoko. Ouais, il y a faute. Je disais avant le match, dans nos échanges avec Marcel Desailly, Eric Abidal et Robert Pires, que l'arbitrage aurait son importance. Je ne pensais pas à ce genre de situation, ouais. Et ce genre de fait de match. Ouais, mais ça rappelle je pensais à la distribution de cartons. Le penalty non sifflé à Verratti à Rennes, où j'avais parlé avec l'arbitre français, je ne me rappelle plus qui c'était, qui maintenait que Verratti s'était écroulé, qui maintenait qu'il n'y avait pas penalty, même si les observateurs on avait l'impression qu'il y avait penalty. Neymar pour le coup franc, non. Pas très bien frappé ce coup franc de Thomas Lemar, pas cadré en tout cas, donc pas dangereux. Là, Christophe, ça me semblait un peu plus clair quand même que Agüero se laissait nettement tomber. Et bien sûr, il avait dans son élan été touché. Agüero. Ça passe, est intercepté par Bakayoko. Bakayoko qui va pouvoir lancer Falcao, avec à ses côtés Kylian Mbappé. Le voilà servi, Mbappé qui a fait mine de centrer, va pouvoir centrer maintenant, laisse ce ballon à Sidibé. Le centre de Sidibé, c'est défendu devant le but de Willy Caballero. Oui, ils sont empoisonnés quand ils doivent défendre, les joueurs de Manchester City. Oui, et les Monégasques qui sont toujours aussi bons pour combiner dans les couloirs, amener des centres. Ballon encore pour Sidibé, nouveau centre, c'est pris par Otamendi, dégagé très loin par Yaya Touré, récupéré par Fabinho, il pousse à nouveau les Monégasques, attention de ne pas s'exposer au contre. Ouais, super joué. Intervention, Bakayoko qui peut peut-être y aller tout seul, dépossédé du ballon par Yaya Touré, ouais, et Radji devant De Bruyne. Déséquilibré, Bakayoko, faute non sifflée, ne peut enchaîner. Mais on sent que les Monégasques sont revenus dans le match, plus agressifs, réussissent à intercepter des ballons, chose qu'ils ne faisaient pas au début. Ils subissaient un peu l'adversaire. Et là, on retrouve hein, Fabinho, Bakayoko, capables de défendre en avançant, comme on dit, et de récupérer des ballons. Stones avec Otamendi. Ouais, bien joué Otamendi, qui a gagné une cinquantaine de mètres, ballon au pied. Il a pu servir David Silva. Silva avec Leroy Sané. Bon retour de Bernardo Silva. Ouais, c'est important qu'il vienne s'impliquer comme ça. Falcao. Hyper ballon. Ouais, dommage parce que j'allais dire, il fait un sacré première mi-temps. Falcao hors but. Hein. Son jeu pour il l'équipe est très impliqué, excellent bien sûr comme toujours, mais Falcao qui fait signe calme, ça va très vite physiquement, ça va d'un but à l'autre et carton. Les joueurs souffrent déjà. Carton pour Fabinho, pour Fernandinho. Il est joué Fabinho là, en percussion, touché par Fernandinho. Ça, ils le font très bien, hein. Fabinho, Bakayoko, lorsqu'ils récupèrent, accélèrent, balle au pied, mettent en difficulté l'adversaire. Oui. Si ça passe, Kylian Mbappé, oui. 2-1 pour le gamin, Kylian Mbappé qui trompe Willy Caballero, c'est passé au-dessus de la transversale tout à l'heure, et Mbappé donne l'avantage ici, à l'Etihad Stadium pour l'AS Monaco. C'est allé trop vite, beaucoup trop vite pour les défenseurs de Manchester City. Et c'est pour ça que Leonardo Jardim a aligné sa jeune pépite. Pour ça, regardez
Cet appel croisé avec Falcao dans le dos de la défense. Il va très vite. Ballon donné parfaitement. Et ensuite, beaucoup de sang-froid pour le jeune attaquant monégasque qui regarde le gardien tranquillement, intérieur du pied, placé. C'est parfait. Voilà, il soulève son ballon pour passer par-dessus Caballero. Voilà, c'est magnifique. Il y a une semaine, on a vécu l'éclosion en majuscule de Presnel Kimpembe dans la défense parisienne. Et bien voilà, voilà l'éclosion de ce tout jeune attaquant à peine majeur, Kylian Mbappé, qui là aussi prend une dimension internationale et permet à Monaco de mener ici 2-1 face à l'équipe de Pep Guardiola. A été demandé par toute l'Europe, hein, Kylian Mbappé, avant de signer son contrat avec Monaco. C'est une vraie pépite. Il a signé un triplé contre Metz. Et là, il confirme, hein, au plus haut niveau. Bakayoko qui a stoppé la course de David Silva. Bernardo Silva avec Sidi Bé. Ça file devant jusqu'à Falcao. Bakayoko qui va pouvoir lancer. Et pas... Oh non ! Oh, je suis pas sûr. C'est limite. Ah, Monaco va beaucoup mieux. Ça s'est joué. Très, pas grand chose. Hein. On n'a pas revu encore. Hein. On va peut-être le revoir. Mais là, l'attitude défensive des Monégasques est meilleure. Plus agressif. Voilà, ils réussissent à récupérer beaucoup plus de ballons. Allez, Bernardo Silva. Ouais, ça, c'est ça qui est important aussi ensuite, de savoir garder le ballon. C'est la force des Monégasques. Il a dévissé, oui. Radji. Leroy Sané avec David Silva. Super jaillissement. Sidi Bé dans la profondeur. Aussi, ça passe. Vers Kylian Mbappé. Et il y a eu un tacle salvateur là, de Nicolas Otamendi. Mais bien joué Sidi Bé, de chercher la profondeur dans le dos d'Otamendi. Mbappé. Bien joué Yaya Touré sur David Silva. Leroy Sané, on assiste à un grand match, une grande première période. David Silva qui combine avec Leroy Sané, le centre et le sauvetage devant la ligne d'André Radji. De Bruyne. De Bruyne pour le centre à son tour. Radji encore, et cette fois de la tête. Yaya Touré à la lutte avec Falcao. Ça tourne à l'avantage de l'Ivoirien. À que de duel. À que de duel, c'est, et c'est que d'offensive. Hein. C'est magnifique. On se rend coup pour coup. Leroy Sané encore une fois extrêmement dangereux, balle au pied. Sterling, on n'est certainement pas au bout de nos émotions dans ce match, Daniel. Quel duel, c'est sûr. Quelle opposition. Ouais, et que de talent offensif. Fernandinho avec David Silva. Leroy Sané. Pris à deux là-bas par Sidi Bé et Bernardo Silva. Bernardo Silva qui lance Sidi Bé, qui a de l'espace, qui peut accélérer, qui va pouvoir mettre ce ballon dans l'axe. Thomas Lemar qui arrive. Thomas Lemar qui va pouvoir servir Falcao. Falcao, c'est dans le petit filet. Quel contre mené par les Monégasques. Transition, défense, attaque ultra rapide des Monégasques. Qui ont récupéré le ballon dans leurs 30 derniers mètres, et ça finit par une frappe de Falcao. Il y a eu du mouvement. C'est dommage là qu'il n'ait pas pu redresser un peu plus son ballon. Pas le temps de respirer, qu'on est déjà de l'autre côté. Sterling qui veut lancer De Bruyne. Le ballon dans les pieds de Subasic. Subasic, il a pris des risques. La sueur devant ses supporters en plus. En tout cas, on est rassuré par la prestation d'Andrea Radji. Souhaitons que ça continue. Ah, il est là, le combattant. Hein. Ouais, il est là, le guerrier. Bon positionnement. Et surtout, dans les duels, bien présent. Oh, bon ballon, David Silva encore. David Silva avec Raheem Sterling. Ils sont dans la surface. Raheem Sterling qui glisse ce ballon à Agüero. Et c'est Radji qui peut dégager très loin. Heureusement que Glick est venu s'interposer. Il faut être costaud dans les dernières secondes de cette première période côté monégasque. Résister à ce nouvel assaut.
des Citizens avec Sterling. David Silva. Oh, lui, il ne faut pas le laisser respirer. Touré repasse derrière. John Stones. Fin de cette première période. 45 minutes à l'attente de très haut niveau, très grand rythme. On aime, Daniel, ces matchs où les défenses sont en difficulté parce que ça veut dire que ça attaque dans tous les sens. On aime la qualité, tout simplement, le talent de ces attaquants. On fait souffrir les défenses. Alors, c'est vrai, Monaco a été surpris un peu en début de match par la qualité de cette attaque anglaise avec de la vitesse, avec de la variété dans le jeu. Ça passe par les côtés. Mais ils ont su réagir, être très dangereux en contre et marquer surtout deux buts précieux. Ils ont démontré qu'eux aussi avaient vraiment du talent. Ah, ils en ont. Il y a du talent. Il y a énormément de talent sur cette. Le coup d'envoi de cette deuxième période. Monaco est en train de réussir un très gros coup pour l'instant ici à l'Etihad Stadium à Manchester. Monaco qui à la pause mène 2-1 face à Manchester City. Sagna avec Sterling. Sagna. Stones. On est reparti avec les 22 mêmes. Dans cette deuxième période, il n'y a pas eu de changement. Sur cette relance d'Otamendi qui a failli être intercepté par Falcao. Bien défendu, Benjamin Mendy, plus haut de la tête. Et là, le ballon récupéré très haut par De Bruyne. Ça passe trop forte pour Sterling. Bakayoko qui a perdu un ballon là, dans une zone très dangereuse. Il s'en excuse auprès de son partenaire. Un ballon donné trop fort de De Bruyne pour Sterling. Ils sont dangereux aussi parce qu'il y a du mouvement. Ce sont des joueurs lancés qui reçoivent le ballon. Le long dégagement. Subasic. Kylian Mbappé qui est monté plus haut que Sagna. Ballon pris par John Stones à la relance avec Otamendi. Sagna. Écart sur Sterling. Sagna, Stones. Otamendi. Silva qui ne sort pas. Il reste prudent pour pouvoir aider ses copains. Sagna, là, le pressing monégasque qui contraint les Citizens à reculer jusqu'à Caballero. Et il faut sortir, c'est bien fait ce pressing. Glick, monté très haut. Bernardo Silva peut glisser ce ballon à son capitaine Radamel Falcao. Falcao qui a attendu avant de centrer, combine à nouveau avec Bernardo Silva qui a du soutien, Sidibé dans l'axe tout de suite sur Fabinho. Bernardo Silva échange avec Fabinho dans la surface maintenant et c'est sorti par Yaya Touré. Otamendi a réussi à toucher ce ballon, c'était bien joué de la part de Fabinho. Confiance, les Mendy bon centre. Mendy bon centre. Penalty. Falcao. Qu'est-ce qu'il accorde l'arbitre? Alors il n'a pas sifflé penalty tout à l'heure. Ouais, mais là il semble avoir été touché par derrière. Falcao, il est en avant sur son défenseur. Penalty. Penalty. Bien oui. Sûr. Oui. Penalty. Il a consulté son arbitre assistant supplémentaire là-bas sur la ligne de but. Et Matteo Laos accorde un penalty. À l'AS Monaco, c'est accompagné d'un carton jaune pour Otamendi. Quel coup de tonnerre, quel nouveau coup de tonnerre ici sur l'Etihad Stadium. Lui qui n'a pas sifflé pénalty tout à l'heure sur Agüero. Oui, mais celui-là, on va le voir, hein, est peut-être et certainement plus flagrant parce que regardez, Falcao est accroché. Il est le premier sur le ballon, c'est très net. Alors autant on pouvait discuter sur le pénalty non accordé aux Citizens, autant celui-là, il est flagrant.
Superbe entame de deuxième période des Monégasques, hein, qu'on sentait très à l'aise dans le jeu pour faire circuler le ballon. Et là, ça s'est passé encore une fois côté gauche pour ce très bon centre, hein, pour Falcao, qui a subi cette faute. Hein, maintenant. Encore faut-il le mettre, hein, voilà. Maintenant, Falcao face à Willy Caballero. Mais imaginez, capital. Imaginez là si Falcao marque, ça fait 3-1, ça fait doublé pour Falcao, ça fait surtout 3-1. Allez, Radamel. C'est parti dans quelques secondes pour le Colombien. Il y a un peu d'intox. Il y a un projectile qui a été jeté sur la pelouse. Ça, c'est jamais très bon pour le tireur. Il faut garder un sang extrêmement froid là pour Radamel Falcao. C'est long. C'est long. C'est long. Qu'est-ce qu'il attend? Oh, c'est parti, Radamel Falcao. Ah ouais, c'était trop long. Il a buté sur Willy Caballero. Ça a duré beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longtemps. Incroyable, incroyable que M. Larose ait attendu autant de temps pour siffler. Alors, on a vu que Falcao a eu une course d'élan pour attendre le départ de Caballero qui n'est jamais parti. Ça va revenir avec Kylian Mbappé et ce match va nous offrir très certainement encore pas mal de choses. Ça, c'est sûr. Ah, quel dommage. Ah, quel dommage. Avoir profité de la situation. Penalty tiré vraiment trop mollement de la part de Falcao qui attendait un départ du gardien. Et comme il n'est pas parti, il a été gêné. Il fallait au dernier moment prendre une décision avec un gardien qui n'était pas parti. Anticipation gagnante de la part du gardien de City. On rappelle qu'il y a un monsieur 100% quand même, hein, sur les pénaltys à Falcao, ouais. C'est Fabinho, mais depuis le retour de Falcao il y a eu un peu partage et là il n'y a plus partage. C'est dommage ouais. Fabinho qui s'est montré vraiment très bon dans cet exercice, hein. Et Falcao en bien joué aussi, Bernardo hein. Silva avec Sidibé, oui, dans la profondeur. Mbappé hors jeu, mais c'est bien. Ils Mbappé peuvent leur faire mal là dans cette deuxième période, constamment dans ses appels en profondeur. Il faut qu'il soit juste un peu patient. On le voit, il est déjà en avance avant que le ballon n'arrive. En tout cas, ça a réveillé le public de l'Etihad Stadium qui pousse ses blues. David Silva avec Sagna. David Silva, le ballon qui va arriver dans les gants de Daniel Subasic. Oui, joue long Subasic, long dégagement. C'est pour Kylian Mbappé qui va prendre de vitesse peut-être Nicolas Otamendi. Ouais, c'est même sûr. Il va aller le provoquer. Il est dans la surface maintenant. Mbappé pour le centre vers Falcao. Finalement, c'est mis en corner par John Stones. Super, encore une fois Mbappé qui fait des misères à Otamendi, surtout à la course, qui ensuite centre de l'intérieur du pied, passe assez soulevé pour trouver Falcao. Ils ont joué à deux ce corner. Mais c'est bien ce que font les Monégasques, parce qu'ils réussissent à jouer dans le camp des Anglais en ayant le ballon. Ils ont retrouvé toute leur confiance. Cette fois, je crois mettre le ballon. C'est pas très bien frappé, dommage. Dommage parce que tous ces coups de pied arrêtés aussi peuvent constituer des occasions. Lemar qui peut déborder Fernandinho. Centré à son tour, c'est dégagé par Otamendi. Le pressing sur Leroy Sané qui s'en sort, le jeune Allemand. C'est pris par Falcao. Allez, s'il pouvait les étouffer là. Très bon retour de Falcao, bien concentré, les Monégasques. Oui, les Monégasques qui campent dans le camp mancunien pour le moment. Et qui restent très haut au pressing, là, les Monégasques. Ça contraint Stones à dégager très loin, mais sur son dégagement, il a trouvé Agüero. Agüero qui peut combiner avec De Bruyne. De Bruyne qui peut lancer le Leroy Sané à la lutte avec Sidibé.
Bien défendu Sidi B. De Bruyne. Fernandinho. Yaya Touré. Écarte sur De Bruyne. Il fait des Bernardo Silva, c'est pas un défenseur. De Bruyne pour le centre. C'est dégagé par Benjamin Mendy. Et aussi, ils sont quel très match bons, Daniel. Ils sont très bons. Oh quel match. Pour passer par les couloirs. Très bon en débordement. Là on a vu que c'était De Bruyne. Alors que ce soit De Bruyne ou Sané, ça va vite. Ça percute. Certainement faute quand même de Fabinho là, qui a joué ce ballon en taclant sur David Silva. Lemar avec Bakayoko. Lemar, attention Lemar qui a été contré par Raheem Sterling et ça met son équipe en difficulté. Benjamin Mendy là qui fait une faute grossière sur Raheem Sterling et c'est Bakayoko. Benjamin Mendy resté devant, attention, c'est pas. Il n'est pas concentré, il était en avance sur l'action et revenu en trottinant alors que ses coéquipiers étaient à fond. Bakayoko qui pousse légèrement Sterling, qui le déséquilibre. Le troisième carton jaune à l'adresse d'un monégasque. Hein. Sidi B, Glick et désormais Bakayoko averti. Trois cartons jaunes également de l'autre côté. Parce que les attaquants poussent les défenseurs à la faute. À la faute. Et coup franc qui va mettre la pression devant le but de Daniel Subasic. Soit c'est plongeant avec David Silva, soit c'est pas plongeant avec De Bruyne. C'est De Bruyne. C'est bien frappé au premier poteau. Qu'est-ce que c'est bien frappé. Agüero est arrivé légèrement en retard. Frappé ce coup franc très très fort entre les défenseurs et le but. Subasic ne pouvait pas sortir, il n'a pas eu le temps. Il y avait de toute façon un coup de sifflet de l'arbitre. Il est hors jeu, C'est pour ça qu'il était en avant sur les monégasques. Bien aligné. C'était aussi très bien défendu. Otamendi. Et toujours ce travail défensif de Falcao et d'Mbappé qui reste bien dans l'axe, qui coulisse et qui empêche une passe sur Yaya Touré dans l'axe. Bien joué, Leroy Sané dans l'axe sur Fernandinho. Agüero qui ressort sur Sania. Sterling maintenant avec David Silva et sollicite le 1-2 Sterling. David Silva qui vient récupérer ce ballon à l'entrée de la surface qui a échappé à Lemar mais pas à Benjamin Mendy. Lemar qui peut relancer sur Falcao. Le contrôle est manqué. Et encore une tête de Raji sur l'adversaire. C'est important de, lorsqu'on intervient, de pouvoir toucher un partenaire. On conserve le ballon. Stones avec Sania. Sania très prudent, hein. Presque pas vu devant. Otamendi, Sané, le long avec De Bruyne, c'est sorti. De Bruyne qui a permuté avec David Silva. Cette passe derrière vers Daniel Subasic. Alors qu'il avait ses partenaires tout seul. Bernardo Silva. Impossible de lui prendre le ballon. Il bascule le jeu sur Benjamin Mendy. Benjamin Mendy plein axe avec Falcao. Falcao qui conserve lui aussi le ballon. Bon jaillissement de Raheem Sterling là devant Thomas Lemar. Et Raheem Sterling qui va plus vite que Lemar, mais avec le ballon dans les pieds, il a pu servir Agüero. L'erreur de Subasic sur ce contre, sur cette frappe d'Agüero. Il devait mener 3-1 les Monégasques et c'est 2-1 partout désormais. Ouais, et ça part d'un ballon où Bernardo Silva aurait pu s'en saisir, où Falcao l'a intercepté et l'a perdu. Voilà,
ça part de là. Sterling qui va très très vite. Agüero demande ce ballon en profondeur entre les deux défenseurs. Ça frappe au premier poteau, n'est pas arrêté par Subasic qui fait une erreur de main. Ah, il fait une grosse erreur. Grosse erreur, il est pris au premier poteau. Ballon qui semblait facile pourtant pour lui. Il est surpris. Ouais, c'est une erreur de main tout simplement. Il était sur le ballon. Et ça fait deux partout dans ce match. C'est toujours un bon résultat pour l'AS Monaco. Ouais, mais là, ils sont en train de relancer les Anglais avec ce pénalty raté, cette erreur de Subasic. Qui est un vrai défenseur qui peut jouer au milieu aussi. Otamendi avec Sagna. Stones qui écarte sur De Bruyne. Il a quand même pas eu beaucoup de parades à faire, hein, Daniel Subasic. C'est peut-être aussi pour ça qu'il fait cette erreur. C'est toujours difficile d'avoir peu d'interventions à faire et de bien les réussir. Ah, ça fait de grosses erreurs, hein, dans les deux, ouais, surfaces. Le pénalty mal frappé par Falcao, oui, et la faute de main de... Oui. Ça, c'est un gros manque d'efficacité, ouais, dans les deux à surfaces et ça coûte cher. Ouais, à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Monaco qui pouvait mener 3-1. Et maintenir ce score, se retrouve de partout. Fernandinho avec Yaya Touré. Dans la profondeur, Yaya Touré s'appuie sur Agüero. Ballon ressorti par Fabinho. Lemar qui va pouvoir lancer Falcao à la lutte avec John Stones. Falcao, le Colombien qui a pris le, oui, dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, ouais, oui, il est bon. Falcao, l'exploit après le pénalty raté. C'est un chef-d'œuvre. Falcao qui redonne l'avantage à l'AS Monaco. C'est un match ahurissant. Quelle classe après un pénalty raté. Il démontre qu'il a gardé tout son sang-froid, sa concentration. Il est allé tout seul se créer cette occasion. On va revoir ce contre encore une fois joué très vite. Très bien joué ce ballon en profondeur. Falcao qui va prendre le dessus sur son défenseur en venant à l'intérieur, en résistant à ce tacle de Stones qui est un peu léger. Et ensuite, presque au point de pénalty, réussit à piquer ce ballon et à lober Caballero. C'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique. Et Monaco mène 3 buts à 2. Ah, ils ont une capacité de réaction. Ah, c'est phénoménal. Phénoménal. Le changement a été effectué. Sabaleta qui entre, qui passe latéral droit et Sagna du coup passe à gauche. Pas facile pour Sagna de défendre à gauche, lui qui est droitier. Glick qui met ce ballon en touche. Alors oui, c'est un résultat merveilleux, formidable pour l'AS Monaco. Mais quand on voit là, le déroulement des événements, forcément que même avec ce résultat là on, ouais, peut pas être assuré pour le match retour. C'est très nettement avantageux, mais c'est un match incroyable, hein, parce que Monaco pourrait mener 4-1, hein, s'ils avaient réussi le pénalty et ce but, alors que les Anglais ont marqué leur deuxième sur une erreur. Mais ne faisons pas les fines bouches, hein. Ce résultat est parfait pour le moment. Oui, et ils n'ont même pas le temps d'apprécier ce but, que déjà ils vont être mis sous pression là avec ce coup franc de Bruyne qui frappe directement. Falcao est revenu défendre au premier poteau, c'est lui qui a pris ce ballon de la tête. Et Lemar qui dégage très loin. Ça va à l'état. Écarte sur Raheem Sterling. C'est Radji qui est obligé de désorner pour aller fermer là-bas avec Bakayoko, bien défendu. C'est corner.
même s'ils n'obtiennent pas le ballon. Bakayoko, voilà, il y a l'intensité qu'il faut. Et on a vraiment retrouvé les Monégasques en milieu de première période. Ils ont eu un début un peu timide sur le plan de l'agressivité, parce qu'ils ne savaient pas trop comment se positionner par rapport au mouvement de l'adversaire. Ils ont joué à deux ce corner, les Citizens, avec David Silva qui est face à Bernardo Silva. David Silva qui peut lancer De Bruyne, le centre du Belge. Il est défendu. C'est pris de la tête par Bakayoko, ça arrive dans les pieds de Leroy Sané. Il faut venir à deux sur lui. Oh, il parvient à centrer quand même, Sané. C'est récupéré par les Monégasques. Pourquoi pas un contre avec Bernardo Silva. Bernardo Silva toujours bien pris cette fois par John Stones. Dommage, il n'a pas vu Mbappé qui avait sollicité le ballon en profondeur. Sterling. Les 1100 supporters monégasques qui donnent de la voix que l'on entend ici à l'Etihad Stadium. Monaco pour l'instant fait la loi sur la pelouse, et en tribune aussi les supporters la font également. Que les Anglais qui sont étrangement silencieux. Touré avec Zabaleta. David Silva, étincelant David Silva dans ce match. Je ne sais pas s'il a perdu un ballon, Daniel. Non, c'est, je crois pas. C'est une copie parfaite quasiment. En plus, très intelligent dans son positionnement, entre les lignes, dans les intervalles. Et puis, c'est vrai, l'utilisation du ballon est toujours très bonne. Zabaleta, David Silva. Redonne à Zabaleta, pas de hors-jeu. Peut centrer Zabaleta, c'est repoussé par Kamil Glik. Bon appel de Zabaleta en profondeur, et ce ballon piqué. Oh, il a de la réussite sur cette relance, Benjamin Mendy, il n'était pas en bonne position. Attention, Falcao très vite privé du ballon. Il n'y a pas faute sur David Silva, et pourquoi pas le contre monégasque avec Lemar qui va pouvoir lancer Bernardo Silva. Et regardez l'appel, l'accélération de Sidi B sur le côté. Énorme course de Sidi B qui va peut-être pouvoir centrer. Glisse le ballon à Bernardo Silva. Ah, manque un petit peu de vivacité là, Bernardo Silva. Il a été repris par De Bruyne. Et du coup, Sidi B qui vient penser la plaie, mais ballon rendu à l'adversaire. Agüero. Bien défendu. Oui, Fabinho, même s'il a fait une faute. Ah, il fait faute, mais c'est super. Bonne agressivité. Et ça permet aussi à Sidi B de récupérer. De venir se repositionner, lui qui avait fait un gros effort pour dédoubler. On revoit le centre là où il passe un peu Subasic, mais suppléé par Bakayoko qui retrouve un peu sa confiance. Le gardien monégasque, le gardien croate. Otamendi. Avec Agüero. Pris par Bakayoko, Agüero s'en sort. Finalement, c'est Radji qui le stoppe. Lemar. Cette fois, c'est appel de l'autre côté avec Benjamin Mendy qui fait une grosse course à son tour. Lemar profite des appels, peut progresser avec l'aide d'Mbappé. Mbappé qui a voulu glisser à Falcao. Il y a faute de Radamel Falcao et carton pour le Colombien. Il est en retard, Falcao. Grosse faute sur Stones. Et Yaya Touré qui joue pratiquement comme troisième défenseur pour permettre aux latéraux de jouer très très haut lorsque City a le ballon. Voilà, on le voit là sur ce plan, il reste en défense et Sagna est même rentré au milieu. Zabaleta avec David Silva. Otamendi qui peut donner ses ballons à Agüero. Sagna qui a vu le départ là-bas de Zabaleta. Mais Benjamin Mendy aussi l'avait vu. Oh, Benjamin Mendy qui peut accélérer, ressortir ce ballon. Ils sont à 4 pour attaquer là les Monégasques. Avec sur le côté Thomas Lemar. Il continue Mendy, des doubles. Mendy qui va peut-être pouvoir centrer. Voilà qui est fait. Oh, le bon centre de Mendy. Falcao est arrivé un peu tard. Oui,
avec Mbappé au premier poteau. Quelle bonne action de Benjamin Mendy qui est parti de très très loin. Et c'est ce que disait Pep Guardiola avant le match, il vantait les mérites des latéraux qui répétaient les longues courses pour Monaco. C'est confirmé ce soir. Attention, Bakayoko, attention. Oui. Là, ce ballon en... facile. Devant Agüero, ouais. Ballon facile, il l'a perdu. Là, il suffisait de le laisser passer pour partir de l'autre côté. Ouais, ouais, mais regardez, là, du coup, il y a énormément d'espace. Et Manchester peut attaquer avec ce ballon pour Raheem Sterling. Il réclame un pénalty, les joueurs de City, il n'a pas bronché, Matteo Laos. Ouais, bien défendu. Ça part d'un ballon perdu de Bakayoko. Encore Benjamin Mendy qui est venu chipper ce ballon. Et maintenant c'est un contre monégasque. Il faut bien le jouer celui-là parce qu'ils sont en surnombre. Allez, avec Lemar. Lemar qui a à ses côtés Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a réussi son dribble face à Zabaleta. Sa frappe c'est dans le petit filet. Ouais, mais il faut qu'on le voit davantage. Que d'émotion, que d'émotion dans ce match. Parce que d'offensive, de contre-offensive. On le voit Mbappé qui joue le coup un peu seul. Et il faut qu'il se montre un peu plus. Là, ça fait un moment qu'on le voit moins. Et on voit Benjamin Mendy qui vient intervenir, toucher le ballon. C'est parfait. Il vient de très loin. Il ne fallait pas se rater parce que c'est dans la surface. Là aussi, c'était limite. Pep Guardiola peut faire en rire. Surtout, il le connaît par cœur, Matteo Laos. Hein, c'est arbitre espagnol. Ils se sont rencontrés quand même quelques fois. Ça doit lui rapporter des bons et des mauvais souvenirs. Oui, je ne sais pas quels sont les souvenirs de Guardiola avec Laos. Je pense pas qu'aujourd'hui, ce soit un bon souvenir. Ouais, il fait, ceci dit, c'est un... Pour moi, il fait un arbitrage parfait. Ah ouais. Parce que c'est pas facile hein, d'arbitrer ce match. Oh. Ça va tellement vite. David Silva maintenant... Les Monégasques un peu en retard hein, là sur ce ballon donné à Silva. Cette sortie de l'Italien qui réussit malgré tout à contrer. Attention, Bakayoko, on va suivre parce que il est en train de se plaindre de son genou. Timoué Bakayoko. Ça peut être pour ça qu'il a tout à l'heure il a raté son dribble. Le corner est joué à deux entre De Bruyne et le Roy Sané. Le centre finalement encore mis en corner. Cette fois c'est par Camille Glick. Bien défendu. Là ils étaient lancés les Citizens. Mais c'est Glick qui est le plus haut. Il dévie ce ballon. Et c'est jamais facile de défendre en venant vers son but. Corner cette fois frappé directement. Oh, la reprise. Le coup d'Agüero qui lui aussi réussit son doublé comme Falcao. Et Manchester City revient en hauteur de Monaco. Ça fait 3 buts partout. Ouais, mais Sidi Bé là, statique de manière incroyable, a regardé Agüero faire la volée devant lui sans esquisser le moindre geste. C'est incompréhensible de sa part. Surpris, spectateur. Sur cette action, alors qu'Agüero s'y attend, on va revoir au deuxième poteau. Voilà, il est pas du tout concerné. Il subit, il est derrière Agüero et il n'intervient en aucune manière, permettant cette très belle volée, bel équilibre placé. C'est l'une des faiblesses de l'AS Monaco, les coups de pied arrêtés défensifs. Ils sont très vulnérables sur ces phases-là, les Monégasques. Et bien là, encore une fois, ils ont plié, ils ont même rompu. Et ça fait 3 buts partout. Ouais, mais c'est dommage, hein, parce que ça fait 2 buts pratiquement donnés à City. Yaya Touré peut écarter sur David Silva. Oh, il accélère David Silva, il est aux prises avec Thomas Lemar. Il fait faute avec les bras. Et Zabaleta qui essaie de mettre la pression. Et c'est lui qui prend un carton, c'est bien arbitré. C'est superbement arbitré. Zabaleta qui veut faire l'arbitre.
et Monsieur Laos qui lui dit c'est moi, carton, voilà pour vous. Ils peuvent se parler en espagnol. Puisque Zabaleta est argentin, ils se comprennent très bien. On voit Lamar hein, qui a le bras haut, qui retient son adversaire. Et du coup, ils peuvent souffrir. Hein. Là, les Monégas qui viennent d'encaisser un but sur corner. Ouais, sur le coup de pied, il va falloir être plus fort. Il souffre. Hein. Il va falloir être plus fort sur ce coup franc-là qui va arriver probablement dans la surface également. Ils partent de loin, ils sont lancés, c'est bien fait de la part des Anglais. Il ne faut pas le perdre ce match-là. De Bruyne a bien frappé encore, cette fois c'est capté par allez, il y a bon Souba qui relance très vite sur Sidibé. Sidibé veut basculer le jeu là-bas vers Bernardo Silva. Il n'avait pas vraiment de solution, Sidibé. Stones avec Otamendi. Sagna. Otamendi. Stones vers Cavallero. Que de risque là. Bon, quand même, ouais, en charge, j'ai l'impression que Bakayoko est en grande difficulté là physiquement en ce moment. Il n'est pas évident parce que Moutinho là au cœur du jeu, il risque physiquement d'avoir des problèmes s'il rentrait. Oh, bon ballon de Bruyne vers Leroy Sané finalement stoppé par Sidibé. Bien défendu. Mbappé qui hérite de ce ballon. On peut y aller. Préfère écarter sur Benjamin Mendy. Lemar. Ah, Plenax. Non. Pas ces ballons comme ça. Heureusement, il y a erreur également du côté de City. Sidibé. Il n'y a pas de mouvement. Bernardo Silva n'a pas proposé quelque chose à son partenaire. Ils sont un peu fatigués, les Monégasques. Ouais, la faute de Bernardo Silva. Ouais. Et encore un carton. Ouais. C'est le cinquième côté Monégasque. C'est peut-être le moment de mettre des joueurs frais pour Monaco. Peut-être Valère Germain aussi à la place d'Mbappé qui s'éteint quand même au fil du match. Sa très belle prestation. Agüero à la lutte avec Kamil Glik. Agüero pour le centre, c'est mis en corner par le Polonais. Attention là, il recule. Et là les Monégasques sont en difficulté depuis allez pas loin d'un quart ouais. 10 minutes, un quart d'heure maintenant. Ils ne réussissent plus à tenir le ballon, à bien le ressortir, le perdent trop facilement et souffrent aussi sur les coups de pied arrêtés. De Bruyne, oui, il a compris. De Bruyne qu'il fallait frapper directement près du but de Subasic au deuxième poteau, c'est John Stones, la défense de Monaco qui craque encore sur un coup de pied arrêté et ça fait 4-3 désormais pour Manchester City. Oui, mais c'est une déviation, Christophe, de Yaya Touré au point poteau, hein. Il n'a plus les jambes de 20 ans, Yaya Touré, mais il a encore l'intelligence, la taille, le timing, parce qu'on va voir que c'est lui qui plus haut que tout le monde au cœur de la défense monégasque, voilà, dévie ce ballon pour Stones qui n'en demandait pas tant au deuxième poteau pour la mettre au fond. Ah, ce quart d'heure qui coûte cher là au Monégasque. Allez savoir s'ils ne sont pas en train de perdre la qualification sur ce quart d'heure là. Alors qu'ils avaient tous les éléments en main pour peut-être éteindre déjà le suspense dans ce match aller. Mais non,
Non, parce qu'ils ont failli sur leur point faible. Et sur les deux derniers corners subis, ils prennent deux buts. Quel match! Est-ce qu'ils ont les ressources pour revenir à égalité dans cette rencontre, les Monégasques? Mais là, ils sont un touchés. Peu fatigués, hein. Ouais. Fatigués, mais il faut reconnaître que ils ont relancé aussi les Citizens, parce que notamment le but d'Agüero, la volée d'Agüero ou Sidi B ne le gêne pas. Là, c'est une erreur de positionnement à ce niveau-là. C'est quand même assez impardonnable. Et c'est dommage parce que Sidi B fait un bon match, mais c'est une grosse erreur de sa part. Souhaitons que Valère Germain amène un peu plus de poids devant. Yaya Touré peut ressortir sur coup d'Agüero. Ça prend l'eau de toutes parts en ce moment. Agüero qui écarte sur De Bruyne. Ah, heureusement, De Bruyne a loupé son geste. Ah oui, ça allait vite, hein, parce qu'il y avait Sterling dans l'axe. Hein. Ah, ils peuvent contrer à 2000 à l'heure. Après, il faut techniquement être parfait. Ça n'a pas été le cas pour De Bruyne. Fabinho avec Bakayoko. Mendy. Bakayoko, Bernardo Silva, Bakayoko. Fabinho qui a voulu écarter, ça a été lu par Leroy Sané. Ouais, mais il est trop aussi libé là, il faut faire attention. Attention à Kun Agüero qui a réussi son contrôle, qui peut frapper cette fois, c'est arrêt de Subasic. Super Subasic. Et ça revient dans les pieds de Leroy Sané, dans la surface. L'Allemand est possédé du ballon par Fabinho. Oh, ça ne tient qu'à un fil. Et Sidi B est un peu perdu là en ce moment, peut-être fatigué aussi. Ah oui, c'est sûr. On les sent un peu au bout du rouleau physiquement. Ah, ils subissent une grosse pression en ce moment. Oui, et on le voit, hein, Fabinho qui ne réussit même pas à suivre ses attaquants. La fin de match va être compliquée parce qu'on sent même Sidi B en difficulté. Sagna avec Otamendi. Yaya Touré, Otamendi. Sagna. Otamendi avec Stones. C'est sûr que les Monégasques, hein, n'ont pas l'habitude, notamment en Ligue 1, de jouer des matchs à haute intensité comme ça, avec un tel rythme. Même si physiquement ils sont préparés, aujourd'hui ils sont en train de souffrir. Bernardo Silva, Sidi B. Attention, parce qu'Agüero, il est en feu là ce soir. Ouais, puis, oui, oui, ouais. Falcao, allez, qui est venu couper la trajectoire du ballon, qui a pu transmettre à Valère Germain. Valère Germain pris dans la vitesse par John Stones. Ouais, il s'est trop excentré, Valère Germain. Oui, Fabinho. Attention, Fabinho. Attention, Fabinho. Il prend carton lui aussi. Et obstruction. Obstruction de Fabinho qui sait très bien que Sané va très vite et qui vient lui barrer le passage. Grosse faute tactique et carton mérité. Mais je trouve quand même que Sidi B et Mendy sont trop offensifs là alors que leur équipe souffre. Ça fait un moment qu'ils auraient dû rester plus prudents pour à la fois bien contenir leur adversaire direct et soulager aussi les actions. Yaya Touré, David Silva. Oh, David Silva qui peut piquer ce ballon sur Kun Agüero. Hors jeu. Est-ce qu'il valide le but? Oui, le but est validé. Ça fait 5-3 pour Manchester City.
Ah, j'ai l'impression qu'il y avait hors-jeu, Daniel, mais ça fait 5-3, mais surtout Monaco en grande difficulté. Oui, oui, ça confirme ce qu'on disait, hein, cette équipe monégasque à la peine physiquement, alors que les Anglais sont à fond et toujours précis techniquement. Voilà ce ballon, cette remise. Et Bernardo Silva, pardon, David Silva dans l'espace. Et hors jeu. Ouais, il me semble qu'il y a hors jeu sur cette passe. Oui, ouais, parce que c'est une passe vers l'avant. Ouais, et puis, c'est une passe vers l'avant. Il y a hors jeu de Leroy Sané. Il faut un autre angle pour qu'on puisse voir si Leroy Sané était hors jeu. Ah, je suis à peu près sûr que oui, Daniel. C'est terrible là. Quelle fin de match pour l'AS Monaco qui vient d'encaisser 3 buts en 10 minutes. Falcao avec Germain. Bernardo Silva. Bascule le jeu là-bas sur Benjamin Mendy. Lemar pour Benjamin Mendy. Pas de hors-jeu pour Mendy. Le centre, oh, Falcao, la reprise et l'arrêt sur sa ligne. Arrêt réflexe de Willy Caballero. Quel arrêt de Caballero. Oh là 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 là. Ah, ce match a complètement tourné. La réussite a tourné également. Ouais, parce que là, c'était vraiment très très bien joué avec ce débordement de Mendy et ce centre en retrait parfait de l'intérieur du pied. Caballero qui reprend ce ballon, il était parti et à contre-pied réussit à laisser traîner son pied. Ah, c'est un duel épique, hein, qui va rester dans les mémoires de l'histoire de la Ligue des Champions côté monégasque. Énorme match alors que Moutinho est entré. Alors, Lemar ou Fabinho. Les deux sont proches du ballon. Ça semble un peu plus ouvert pour un droitier. C'est contré par le mur, hein. Ouais, c'est le frappe de Fabinho. Fabinho qui a mis la tête pour remettre ce ballon dans la surface. Moutinho avec Bakayoko. Bakayoko qui tente de s'extirper du marquage là-bas. Ouais. Pour centrer, il obtient un corner. C'est Jean Moutinho qui va frapper ce corner. C'est trop. C'est boxé par Caballero. Sidibé qui fait l'effort pour récupérer ce ballon. Non, laisse filer en touche. Ils sont loin, les monégasques. Hein. Les changements côté de City cette fois. C'est Fernando. Oui, Fernando à la place d'Agüero qui va recevoir une ovation. Banni hein, cette année, il n'avait pas la confiance de Pep Guardiola. Il est titulaire parce que son remplaçant, Gabriel Jesus, s'est blessé. Celui qui avait pris sa place. Il a montré qu'il était toujours là, le Poun. Ah oui. Avec cette belle volée, même s'il était scellé, il fallait la réussir. Parfait équilibre, ballon placé de coup de pied. C'était un redoutable buteur. Il a été précieux aussi dans le jeu d'au but en remise pour ses partenaires. Raji.
Le long ballon d'Andrea Raggi, c'est pris par Zabaleta, c'est récupéré par Benjamin Mendy face à Fernando. Monégasque toujours à 3 milieux de terrain. Bien sûr, Moutinho est venu se joindre à Fabinho et Bakayoko. C'est Dirard qui remplace Bakayoko. Pour les toutes dernières minutes de cette rencontre. Ah, il prend des risques. Oui. Dans Jardim, il veut marquer raison, parce que là, il y a deux buts d'écart. Un but d'écart seulement. Ce sera un résultat tout à fait favorable. Pourquoi pas là-dessus? Non, ah, trop sur le gardien, dommage. C'est trop sur le gardien. Il y avait une grosse présence monégasque. Ballon pas suffisamment ressorti là pour Lemar. Guardiola qui demande à Leroy Sané d'attaquer encore. Monaco qui joue en 4-4-2. Dirard a pris le couloir droit. Fabinho, Moutinho au milieu. Le 4-4-2 habituel avec des joueurs différents. Mendy. Avec Raggi. Fabinho. Fabinho qui allonge, c'est trop long. C'est raté. Il est fatigué, Fabinho. Et Jesús Navas, lui aussi, va faire son apparition. Ça casse le rythme de cette fin de match. De plus, Sterling est à bout de force. Sterling, le feu follet du couloir droit. Remplacé par Navas, qui a un peu le même style, hein, de joueur très rapide. Et ça permet de casser un peu le rythme pour Pep Guardiola. Oui, les supporters monégasques qui rendent hommage à leur équipe, parce que c'est vrai, on a vu 8 buts bon, c'est pas terminé, on va jurer de rien, mais on a vu 8 buts dans ce match, et 5-3 pour Manchester City. Le score aurait pu être inversé, ça aurait pu être 5-3 pour Monaco. On s'attendait à voir des buts dans ce duel là, ouais, compte tenu de l'identité des deux équipes. On s'attendait probablement pas à en voir autant. Non, les Monégasques ont raté vraiment le coche en ratant le pénalty, clairement. Et ensuite, ils ont trop offert aux Anglais qui sont talentueux. Et finalement, ça donne une deuxième période dans la souffrance. Alors Bella Besbo ici qui est dans le cas régie. On a recalé là dans le cas régie de Manu Cario le but de Sterling. Apparemment, il n'est pas au-delà de la ligne du passeur. Le passeur, c'est qui? C'est Agüero. Oui, c'est, ouais, c'est Agüero qui fait la passe. Ouais, c'est Agüero. Ouais. Et apparemment, Sterling n'est pas au-delà de la ligne. Ouais, donc il n'est pas hors jeu. Il me semblait devant, mais bon, de toute façon, ça va tellement vite que... Ouais, mais lancer, ça fait toujours cet effet-là. Donc, il n'y a pas hors-jeu, apparemment. La passe peut être en avant, mais le joueur... La passe, elle peut être en avant. Le joueur qui reçoit le ballon ne doit pas être en avance par rapport au passeur. Il a trouvé précieux dans ce rôle-là où il court pas beaucoup. Il ne dézone pas beaucoup, mais... toujours précieux avec le ballon, comme attention, là. Attention, l'appel de Leroy Sané, le dégagement d'André Raggi. Sidibé encore surpris, hein, il a des absences défensivement, Sidibé. Alors qu'il a des jambes de feu, il se laisse souvent prendre par le démarrage de son adversaire. Moutinho avec Mendy.
Mendy dépossédé du ballon par Sabaleta. Fernando avec Sabaleta. Moutinho est venu contrarier la construction. Mais c'est touche quand même en faveur des Citizens. Raji pressé là-bas par Jesús Navas. Raji qui peut dégager ce ballon. Attention, il va falloir être costaud là. Moutinho secoué par Fernando. Fernando encore dans la lutte aérienne. David Silva plus haut que Moutinho finalement. Fabinho qui peut exploiter ce ballon, mais je crois qu'il y a du beaucoup de brouillard devant les yeux de Fabinho là en fin de match. D'ailleurs, c'est assez incompréhensible que ce soit Bakayoko qui soit sorti. Je pense, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'il devait avoir mal au genou pour que Fabinho reste. Dirard, lui il est frais, Dirard. Ah. Oh non, ah, il a manqué cette passe, Nabil Dirard, vers Valère Germain. Ah, il y avait 3-2 pour l'AS Monaco à l'heure de jeu. C'est terminé. Il y avait 3-2 pour l'AS Monaco à l'heure de jeu. Et 20 minutes plus tard, il y avait 5-3 pour Manchester City.